Depuis le matin, il appelait Priva aujourd'hui à 5h du matin. Priva, je mens. Pardon, son moment de demain, maman. Ah, pardon. Priva, ne s'était pas découragé. J'ai commencé à le reconforter. Il faut le laisser. Tu sais qu'il ne faut pas écouter les gens. Il faut partir. Depuis 5h. 5h du matin, même mon réveil pour appeler Priva. 5h de la France. Je ne sais pas si ça faisait qu'elle est à Abidjan. Je l'ai rappelé. Donc je ne fais que l'appeler. Il me dit, aïe, aïe, je suis en train de faire ceci. Oh. Je suis en train de faire ceci. Je ne fais que l'appeler depuis le matin. C'est son appel, j'attends. J'ai mis mon cœur dans cette histoire et puis vous faites ça là. Et puis Priva là, ce n'est pas un démarcheur, hein. C'est un influenceur. C'est un responsable, hein. Je vais laisser, mais ça m'a cassé. Pour te dire, pour vous de la vérité, c'est avec de bonnes intentions, mais il n'y a pas de problème. Ah, c'est bon maintenant, y'a, c'est bon maintenant. Et puis va, fais-nous le point. C'est cassé, ma cosse, ça m'a cassé. Concernant ceux qui disent que nous sommes venus dire. Concernant ceux qui disent que. Écoutez-moi, pardonnez-moi. La tori, c'est bon maintenant, la tori. La tori, c'est bon. Non, faut boire. Faut laisser maintenant. Écoutez, non, faut laisser. On est venu mettre Mabio à la vedette populaire. Je ne vais jamais mettre Mabio à la vedette populaire. Il n'a jamais dit que moi je soutiens là. Il me dit c'est ma mère, moi je suis avec elle. Monter, descendre, que ce soit aujourd'hui, demain, mais c'est la tuer l'homme, c'est ma mère. Je ne veux pas lui tourner le dos par rapport à ce qui s'est passé. On n'a pas dit on soutient là, mais là. Il ne faut pas vous venir dire qu'on est venu mettre son cul dehors. Parce que moi je ne peux jamais mettre son cul dehors. Moi je ne savais même pas qui a donné l'argent. Parce que moi, ce que moi j'avais pu donner, il a donné. Donc ce qui se passe là, c'est les privés là qui sont venus expliquer. Les autres ont expliqué. Moi, je suis venu à 16h. Moi, je ne savais rien. Papa, vous avez le requin m'a parlé. Ah, ils ont parlé. Mais pourquoi vous avez venu parler de ça ici? Parce qu'ils n'ont pas venu expliquer ce qu'ils ont dit. C'est pourquoi ils le font. Donc, si les gens viennent raconter là, ils n'ont qu'à fermer leur bouche. Ce n'est pas qu'ils vont foncer mon biopé. Tout ça, c'est en train de créer des problèmes. Non, c'est bon. Aurélie, c'est bon. Tu as raison. Ma cousine m'a parlé. Bloco est monté ici. Bloco ne monte pas sur les lives. C'est ma personne. C'est voilà. Vous pouvez parler. J'ai compris, je vais me calmer. Priva, fais le point. Comment il s'appelle? Priva. Fais-nous le point. Les abonnés disent aussi dans les commentaires, je vais me calmer. Ouais. Priva, fais-nous le point, s'il te plaît. On va passer d'abord sur le résumé de la journée. Ce matin, comme la grande soeur Yavou l'a dit, elle m'a appelé très tôt. Et je pense que très tôt le matin, moi aussi, j'étais déjà debout. Donc, je suis parti à la justice d'abord. Arrivé à la justice, nous sommes partis prendre un billet. Et lorsque nous avons pris un billet à la justice, il y a une autre dame qui nous aide aussi, qui m'a accompagné, qui est partie causer avec la greffière pour essayer de voir au moins comment nous pouvons arranger cela. C'est ainsi que ils nous ont dit, le mercredi quand nous allons venir, si on n'a au moins rien, nous devons être dans 4 à 3 bâtons. Lorsque on a fini de discuter, nous sommes descendus, c'est ainsi que nous avons pris la route de la Maca. Arrivé à la Maca, on nous fait savoir qu'aujourd'hui est lundi, donc les différents billets que nous avons pris pourront rentrer le mardi. Nous avons beau négocier pour voir Hélène, nous avons remué ciel et terre, rien n'a abouti. C'est ainsi que nous avons rédigé une lettre en dehors de la clôture de la Maca pour pouvoir l'envoyer à Hélène à l'intérieur. Lorsque nous avons fini de rédiger la lettre, on nous a fait savoir que même une simple lettre ne peut pas, et je répète, même une simple lettre ne peut pas avoir accès à la Maca lorsque c'est le jour n'est pas un jour de visite. En ce qui concerne, Hélène a un téléphone. Je viens désapprouver ces propos qui ont été avancés. En aucun cas, Hélène a un téléphone à la Maca. Sachez que la Maca est une maison d'arrêt et de correction de notre capitale qui est Abidjan. Les gardes pénitentiaires sont très prudents. La preuve en est que lorsque j'ai rédigé la lettre en dehors de la clôture, y compris moi, y compris ma lettre, notre corps sont restés dehors. La lettre n'a même pas pu avoir accès à la prison. Les gardes pénitentiaires sont tellement là. On a même dit à un monsieur, va voir Hélène, vu que tu travailles ici, dis-lui qu'on la salue, mais nous sommes passés, on n'a pas pu la voir. Il nous a également fait savoir que ce n'est pas un jour de visite. Donc, lui-même qui travaille là ne peut pas avoir accès à Hélène. Vous voyez. Donc, c'est ainsi que nous sommes restés au dehors de la clôture de Maca toute une journée, essayer de faire de notre mieux pour au moins avoir accès à cette femme. On n'a pas eu accès à elle. Donc,
Demain est mardi. Je vais encore retourner à la Maca pour aller la voir, discuter avec elle, lui apporter toutes nos compassions. Et le mercredi, nous allons partir avec nos confrères qui ont été peinés par cette situation, plaider auprès de nos confrères avec le peu que nous avons, afin que notre consoeur soit dehors. Allons sur le volet financier. Normalement, notre cagnotte avait rapporté 1 200 000. Au niveau des 1 200 000, il y a les 100 000 que Ousmi m'avait ramené ce jour, que Ayatou m'avait demandé de récupérer avec lui. Il y a les premiers 100 000 que le général, qui a d'ailleurs tous mes honneurs sur ce live, nous a amené. Tu as détaillé tout l'argent des 1 million là. Non, non, c'est les points que je suis en train de vous faire, mon général. Ok. Merci de moi. Alors, j'étais disant, il y a les 100 000 de Ousmi qu'il avait, que j'ai récupéré. Il y a les 100 000 francs qui avaient fait un peu de bruit avec Oura, que le général a remboursé. Et après, le général a envoyé encore 400 000, ce qui fait un montant de 600 000. Il y a notre confrère Samo Samo qui a envoyé une somme de 100 000 francs, ce qui fait une somme de 700 000. Il y a également un inconnu qui a envoyé 15 000 francs, un autre inconnu a envoyé 5 000, un autre inconnu 5 000, Bilal 5 000 francs. Alors, sur le compte de Oura, les 20 000 francs qu'elle avait collectés sur les lives, je les ai récupérés. Et un autre inconnu a envoyé 1000 francs. C'est là que, au niveau de mon numéro, les cagnottes se sont arrêtées. Alors, on comptabilise en ce jour 751 000. Accompagné des 1 million, nous nous retrouvons à 1 751 000. Djarabi m'a également informé de sa contribution qui est en hauteur de 50 000 francs. Pour tout comptabiliser, nous sommes à 1 801 000 francs. Voilà un peu la somme que nous détenons en ce jour. Attends, dis quand Claude dit ici. Tu as Dagbashi des gens de nouveaux pays, là, ceux qui font de nouveaux pays, là, tu as Dagbashi, hein? Alors, en ce qui concerne l'argent nouvelle du Bukabon, pays, là, je ne sais pas. Priva, j'ai une question. Concernant les 1 million de Nicapol, c'est comment? Je ne les ai pas reçus. Aya m'a parlé de ça ce matin. Je lui ai dit, sur mon numéro, il n'y a pas eu de 1 million de Nicapol. Et jusqu'à preuve de contraire, on continue à... Est-ce que tu peux appeler Nicapol, s'il te plaît? C'est pour ça même que j'ai été cherché depuis la journée. Là. Le général. Voilà. Nicapol, il a donné 1 million. Est-ce que tu peux l'appeler, voilà, s'il te plaît? En même temps, j'aimerais faire comprendre à l'opinion publique parce qu'il y a des gens... Attends. Le général va appeler Nicapol, il va venir. Voilà, avec les 1 million de Nicapol, on est à 2 800 000, c'est ça? Mais où sont les 1 million d'abord? Mon bébé, tu as vu 1 million là? Tu as vu ça? Si c'est la marmaille, il sera bien. J'ai pas vu les 1 million de Nicapol. Si y a l'homme qui a pris un peu de carité pour tirer ses membres là, c'est moi, il n'a qu'à jouer, moi. Il sera vraiment dans la paix du Seigneur. Jusqu'à l'appel live, il appelle vidéo de poste de ça. Ah, mais Aya, s'il te plaît, Enza vient de m'appeler. Il dit de te dire, s'il te plaît, d'enlever sa photo là. Parce qu'ils sont de nombreux, les vidéos. Lui, tu ne portes pas ta main. Il aime ton affaire, pardon. On va te fâcher, tiens. Donc, sinon, maman, si tu es fâché, c'est pas bon. Ministre, Aya, pardon. Il a honte, mais Enza, il parle pas. Oh. Il a honte. Nicapol, décoche pas. C'est la couverture de notre barrière de ce soir. On n'enlève pas. Est-ce qu'on m'entend? Si on m'entend, Nicapol décroche pas. Pourquoi il décroche pas? Je lui ai envoyé un message. S'il te plaît, papa, pour insister. J'ai dit, Nicapol venait expliquer, c'est 1 million. Là. Voilà, parce qu'on joue pas avec des choses. Nicapol a donné 1 million, il chauffe. Moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que on est 16 000 personnes ici et puis on est bloqué encore à 1 800 000. Ça me... Vas-y, chacun, on va 100 francs. Ça me dit en live. Vous commencez encore.
Vous avez tourné un peu. Bon, moi, je ne suis pas la seule d'affaire finalement. Prenez la moi, j'aimerais poser une question à tous ceux qui sont connectés. Les panneaux sont fatigués. Tout le monde ici. Priva, attendez, on va se parler franchement. Tous ceux qui sont connectés, j'ai une question. On n'est plus. Ou mais qu'est-ce qu'on fait? Répondez dans les commentaires, s'il vous plaît. Voilà, c'est la question qu'il voulait poser. Là. On arrête. En plus, on arrête, on ne fait plus rien, on n'est plus. Ou bien qu'est-ce qu'on fait? On n'est plus un, on n'est plus pour deux. Pas bon, mais, Aya. Le numéro. Aya. Je reprends tout à l'heure. Oui. Pour de vrai, hein. Où sont ses amis? Où sont ses proches? Ils sont où? Moi. Non, attendez, attendez, n'allons pas comme ça. Non, c'est le maudit, hein. C'est le maudit. Non, ça, ouais, on est tous d'accord. Maintenant, Priva, s'il te plaît, j'aimerais... Ils sont là pour enregistrer les lives, pour aller faire quoi que ce soit sur J'aimerais que tu puisses donner le numéro, s'il vous plaît. Il faut que...